Ah, ils sont à fond. Ah, ils s'éclatent. En fin de compte, c'est eux qui ont raison. Parce qu'ils font ça sur leur canal habituel. Ils font pas ça sur les canaux d'appel. Oh la vache, j'avais pas vu le signal. Ça envoie du steak. Je vais aller voir sur leur fréquence d'appel d'Erix. C'est plus correct qu'on fait comme ça sur la route. La route n'est pas large, lui il est gros, on va lui faciliter le passage et ça permet de repartir plus vite. Ce soir, à partir de 19h, qu'est-ce que 19h heure anglaise, il va se mettre la fête là ici. Française. C'est tout.
changer l'accent, peut-être les Antilles, je sais pas. J'espère entendre de Québec. Attention Canada, attention le Canada pour le sud-ouest France qui vous en s'appelle. Comment arriver à passer de telle cacophonie? Un chi trois coups. Il y a un petit clin d'œil en passant. À quoi ça sert d'aller sur les sup alors qu'on a la même chose du côté des 40 canaux? Voilà, évidemment, il faut parler anglais. Hein. Alors, c'est la fréquence d'appel des États-Unis et du Canada aussi en même temps. Long Island. Yeah, 775 out in Long Island. 775 Long Island, you're making a trip out here, sir.
Et dire qu'il n'y en a que 10, que plus personne serait si big. On entend un peu parler dans le lointain, mais il y a un tel bruit que c'est pas évident. CQ les X. Appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence à moniteur depuis le sud-ouest de France. Pas évident. CQ des X. Appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence kilomètre depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. Oh, c'est les étrangers, ça. Ouais. CQ des X, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence kilomètre depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. Brésil. Ah, ça fait un bout de route. Hein. Bravo. Thank you.
CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33 01, qui lance appel au mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. São Paulo, Brésil. Demain, je ne pars pas la langue. CQ, CQ, CQDX, appel en direction du Canada pour 14 km 3301, opérateur Rémi qui vous lance appel depuis le sud-ouest de France. Il vient là aussi. En soi, qui vient de lancer l'appel, il est sur la Gironde. Ah, il devait être en directive. Là. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence kilomètre depuis le sud-ouest de France, la rocade de Libourne. Ah zut, c'est bien dommage. Attention, Billy 2-4 pour Nani 33 qui t'appelle en mobile depuis la rocade de Libourne. J'ai l'impression que c'était lui. Je ne sais pas si c'est lui qui passe. En tout cas, ça parle français. Attention à la station pour Dandy 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Break, break, break! Sud-ouest de France. Attention à la station fréquence pour Dandy 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Break, break, break!
Attention, station pour Dundee 33 qui lance appel. Break, break, break! Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Break, break, break! Ah là, c'est, je déconne plus qu'autre chose là. Vu la population qu'il y a là-dessus avec les puissances qu'ils envoient quand même. Bon d'accord, la propague fait les gros du travail. Mais bon, il n'y a peut-être pas que ça. Hein. Il y a du monde derrière. Et 73-51, les stations en fréquence de la barre de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Côté circulation, bah, il pleut, donc c'est le caca ici. Autant, sinon plus que d'habitude. Bonne fin de journée à tous et bon QSO avec la propague. Ah, il m'a semblé entendre quelque chose. Il y a 73-51 à la station voilà, de Dundee 33 dans la descente du pont d'Aquitaine. C'était tellement court que je ne suis pas sûr. Si ça parle derrière. Mais bon. Français ou étranger? Ce bout là-bas. Il est 17h33 pour être précis. Oh, c'est bouché devant. Où il appelle son chien. Là, il y a du monde, ça appelle. Soit la propague est quand même pas mal retombée, ou alors je suis à un endroit où ça passe pas.
Oui, les avantages de la CBI, c'est qu'on a tous les modes. Tous les modes. Je dis ça parce que d'autres appareils ou systèmes, c'est-à-dire logiciels, essaient d'imiter la CBI, mais ils ne sont jamais décalés. Ah si, la propague est toujours là. Ouais, c'est bien les Américains qu'on entend là. C'est pas épais. Hein. 17h45, toujours coincé dans les bouchons. Ah, la propague remonte un peu. Comme le dernier coup. Ah si. Oh, c'est petit, hein, c'est QRP. Cuando lo han querido y cuando lo han aguantado, cuando lo han querido.
C'est tellement poué de QRM là où je suis hein, que il n'y a plus rien qui passe. Pour ceux qui connaissent, je suis pas loin de la sortie 5, là, sur la rocade. Zone industrielle, Bordeaux Fret. Il est 6h40 du matin. Canal 16, ouais, c'est déshabitué ça. Ce précédent cycle de Propag, à cette heure-ci, hein, il y avait encore du monde en fréquence. Hein. On avait encore le Québec. Hein. Je me souviens, je débauchais comme ça, là, je débauchais à 6h. Et bien, j'étais à nouveau avec eux en fréquence. J'ai bien entendu quelque chose.
Et 73-51, les stations en fréquence depuis, de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. À côté circulation, ceux qui vont depuis le pont d'Aquitaine en direction de Mérignac, c'est très compliqué et ça commence à bien bouchonner déjà. Merci Dundee, les amis d'être sur le 3, merci pour les infos, bonne journée. Waouh, tu m'as cassé l'aiguille, elle est partie, je sais pas où, j'ai plus retrouvé. Les 73-51, retournez également, bonne route. Et oui, effectivement, c'est vrai, il y a un très bon bouchon là, en direction de Mérignac. C'est normal, c'est l'heure. Il va falloir embaucher, partir à 3h pour embaucher à 8h maintenant. Ouais, j'en ai l'impression parce que je me souviens il y a pas si longtemps que ça, juste là, quelques années, ça commençait à bouchonner à 7h10. Au niveau du pont d'Aquitaine. Après, c'est passé plus à 7h10. Et là, je vois, il y a peut-être une merde, hein, c'est possible, hein, j'ai pas fait gaffe. Hein. Il y a peut-être une connerie là sur Mérignac, de ce côté-là, dans le sens extérieur, quoi, qui fait que c'est archi compliqué. Après, il y a le fait que ça rétrécit au niveau de la 8, de la 7 et de la 6. Ah oui, c'est vrai. Ça ira mieux quand la troisième voie sera ouverte, mais c'est vrai qu'à 6h30, déjà tout à l'heure, le pont de la Dordogne, c'était très compliqué. Ah oui, quand même, déjà. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié le rétrécissement. Là. Et là, je vois là tous ceux qui arrivent là du nord. C'est tout aussi compliqué que ce que je viens de voir là sur la rocade. Ouais, alors là ça y est, c'est mort. Et c'est les vacances, heureusement. Ah ben c'est peut-être ça le problème. C'est ça, ils sont en vacances sur la rocade. Ouais, c'est ça. Ah chie. Bon, j'ai pas entendu la belette. Il doit être je sais pas où, là, quelque part. C'est vrai que maintenant il est passé en national, donc il se balade. Ce matin j'ai entendu personne, c'est le premier que j'entends. Ben, disons que le truc qui se passe là-dessus, c'est que tout le monde reste en écoute. Et tout le monde s'étonne d'entendre personne. Bah ben, oui, logique. C'est comme sur internet, tous les vendredis. Je lance une affiche pour le QSO du canal 32 que l'on fait généralement à BLU et les réponses sont « Je serai derrière en stand-by ». « Oui, je serai dessus en écoute ». « Ah ben oui, mais qui prend le micro ?» Et non, personne ne comprend. Et sur le 19, c'est pareil. Par contre, tu leur signales un accident, quelque chose comme ça, sans trop être précis. Et là, de suite, ils vont prendre le micro pour savoir où c'est. Eh oui, c'est ça, c'est toujours comme ça. Ah oui, c'est le côté solidaire qu'il y avait avant qui s'est complètement perdu et ne serait-ce que rien que sur ce point-là, on se rend bien compte. Tiens, la rocade intérieure direction, rocade est, côté intérieur direction sud, là c'est pas mal bouché aussi. Là. Oui, mais je crois que de toute façon c'est bouché tout court. Oui, remarque, au pays du vin, hein, c'est un petit peu normal on va dire. Hein. Oui, mais le vin il n'est pas fait pour rester bouché, il est fait pour être débouché. Alors ça devrait aller mieux normalement, mais ça marche pas. Bien vu. Bon, je suis à la sortie 26, voilà, je vais attraper la nationale 89, direction Libourne, direction Castures-la-Bataille. Ok, mais je suis en train de contourner Ricard et j'en vais direction les Landes. Ok, d'accord, ben moi là je sors du boulot. Donc là, c'est direction Dodo. Ah oui, forcément. Bon, ben écoute, un repos bien mérité, je suppose. Alors écoute, rentre bien, sois prudent jusqu'à destination. Et puis, bon repos à bientôt sur la moelle. Ah, ça marche. Bon, ben j'ai fait quoi? Juste 12 petites heures de boulot, c'est tout. Oh, je suis que ça. Ah oui, ça aurait pu être pire.
Tiens, toi par exemple, j'imagine que tu dois faire davantage que ça, si on compte en totalité. Ah oui, la totalité, oui. Ah là, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc moi je me plains pas parce que c'est plusieurs mais 12 heures d'affilée quoi. Après c'est réglé, c'est ciao quoi après. Après je vais être honnête et comme beaucoup, il faut pas trop se plaindre. Je suis assis, je suis au chaud, je suis à l'abri. Déjà c'est pas mal. Non, je rêve. Alors ça c'est à marquer d'une pierre blanche. Tu es le premier Français qui ne se plaint pas, quoi. Que j'entends, que je vois. Putain, ça fait combien de temps que j'ai pas vu ça? Oh, j'hallucine. Alors ça va rester gravé, ça. Bah, faut être honnête. J'aime bien voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Faut pas se plaindre, il y a pire. T'as des coureurs, t'as des gens qui travaillent dans les vignes, t'as des gens qui travaillent sur la route. Il y a plein de gens qui ont plus à se plaindre que moi, franchement. Bien entendu, et puis moi c'est pareil, hein. Je suis agent de sécurité, ouais. Alors je peux te dire, hein, côté pureté du travail, il y a vraiment pire que moi. Hein. Voilà, faut être honnête, faut pas pleurer la bouche pleine non plus, il y en a beaucoup qui se plaignent trop avant de savoir s'ils ont vraiment quelque chose pour se plaindre. Et bien sûr, mais de toute façon, ça, tout le monde va se réconforter derrière le fait que se plaindre, c'est français. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être des boutons aussi, qu'on doit faire comme tout le monde. Et sur ce point-là, moi, je te rejoins largement. Alors là, oui, bien au contraire, je fais partie, moi, de ceux qui comprennent pas qu'on puisse se plaindre sans arrêt comme ça. C'est alors que... Est-ce que je serais payé plus à me plaindre? Non, pas du tout. Alors autant être de bonne humeur. Absolument. Le matin, je me lève, je me dis, je suis gentil, je suis vivant, j'ai pas de maladie, j'ai un travail, ma famille va bien, la vie est belle. Mais c'est exactement pareil pour moi. Tout va bien, donc j'ai aucune raison de me plaindre. C'est... voilà, quoi. Je paye mon crédit maison, mon crédit moto, je paye tout ça. Comment je fais pour payer? Eh bien tout simplement parce que c'est une question de bonne gestion du compte que l'YL fait comme il faut, agit. Alors, je ne dis pas qu'elle est radide, loin de là. Je mets non. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis avec, je n'ai plus jamais eu de découvert. Alors oui, la vie est belle, ça c'est clair. Et en plus elle est très courte, alors il ne faut pas la gaspiller. Si je suis en train de faire, donc je te souhaite une bonne journée, bon plaisir sur le module, à bientôt. Allez, bonne route, on revient, ciao. Ok, eh bien, je suis en train d'arriver sur la poste. Voilà, je suis en train d'arriver au niveau du McDonald's de la poste. Voilà, donc toi, là, tu passes jusque-là sans problème. Bon, à un moment donné, j'ai commencé à te perdre un petit peu aussi, mais là, c'est remonté. Ok, la bonne journée à toi, la bonne route. Et puis, profite bien du paysage, parce que toi, t'es chanceux, oui, de ce côté-là. Hachi, allez, bonne journée, à plus. Ok, ça marche. Allez, bye, bonne journée. C'est lui qui a raison. Pourquoi passer sa vie à se plaindre quand on peut faire autrement? Eh oui.